Monsieur le Président, mon intervention va inclure la note d'information qui figure en délibération numéro 69, qui s'appelle « Engagement pour un territoire participatif » puisqu'elle est liée au pacte que nous examinons ici. Et du coup, quand nous prendrons la délibération numéro 69, elle sera incluse dans la présentation, dans le débat que nous menons ensemble, mes chers collègues. Retenons de cette délibération qui est le résultat d'une année de travail, d'abord la méthode, c'est-à-dire la démarche mise en œuvre pour aboutir au texte qui vous est soumis aujourd'hui. L'exécutif métropolitain nous a demandé à Éric Rossetti et moi de travailler pour vous proposer cette délibération avec l'exigence du dialogue et de la concertation. Et puisqu'il est question de méthode, pour trouver entre nous le consensus, souvenons-nous de ce mot d'Edgar Morin sur la méthode, puisque c'est son ouvrage majeur. La méthode, c'est le chemin qu'on a parcouru. C'est-à-dire le parcours qui lie notre point de départ, il y a un an, ici, en Conseil métropolitain, jusqu'à cette délibération. Et ce parcours conserve la trace de rencontres avec les citoyennes et les citoyens métropolitains à qui nous avons donné la parole, avec les élus de la majorité et des oppositions, de chaque groupe, de chaque présidence de groupe que nous souhaitions, avec Éric, il vient de le dire, vivement remercier pour leur implication, mes chers collègues. Avec les membres des instances de participation métropolitaine, le Conseil de développement et la Commission consultative des services publics locaux. Et enfin, avec les services de la métropole et de chacune des communes. Toutes ces personnes rencontrées ont manifesté une posture d'écoute, des apports portant une diversité de regards sur ce que doit être un engagement métropolitain autour de la question de la participation. Et lorsqu'on se retourne pour examiner ce chemin parcouru collectivement depuis un an, je dois vous faire la confidence qu'il ne s'agit pas d'un trajet linéaire. Nos échanges, nos accords, nos désaccords, les disputes, les réconciliations témoignent, Monsieur le Président, d'une richesse, d'une vitalité démocratique au sein de notre majorité, au sein de notre Conseil et plus généralement d'un dynamisme de la délibération avec l'ensemble des acteurs engagés qui nous ont permis aujourd'hui d'exprimer un engagement comme une signature de notre territoire. Alors d'où sommes-nous partis le 20 novembre 2020 lors de la délibération de lancement de la démarche du pacte ? Nous sommes partis de deux constats, je les rappelle brièvement. En premier constat, d'une analyse partagée d'un contexte de crise de la représentation politique. À travers le mouvement des Gilets jaunes, le rejet croissant des médias, la défiance aboutissant à une montée du complotisme, à une forte montée de l'abstention comme l'expression d'un désintérêt du principe de représentation, autant de symptômes de rupture de plus en plus forte entre les citoyennes, citoyens et les élus. Ce constat nous a amenés collectivement à porter des mesures dans lesquelles les décisions politiques soient prises évidemment par les élus après être passées à travers l'épreuve de la délibération publique. En second constat, le fait métropolitain. Éric Rossetti l'a dit, la montée en puissance de la métropole, de son rôle politique, économique, social, écologique et culturel, marquée par les transferts importants de compétences, doit être accompagnée d'une prise en compte de la citoyenneté métropolitaine. Et si aujourd'hui l'émergence de cette citoyenneté ne s'incarne pas par le vote, parce que le mode de scrutin métropolitain ne le permet pas, elle doit alors se fonder via d'autres modalités démocratiques, délibérative, citoyenne, participative, contributive. L'élaboration du pacte de gouvernance et de citoyenneté vise à se donner l'opportunité d'inventer cette fabrique des décisions plus responsable parce que partagée et construite en continu avec et par les habitants et des 49 communes. Il doit promouvoir une citoyenneté active à travers les réflexions indépendantes du Conseil de développement et de la Commission consultative des services publics locaux. Voilà d'où nous partons. Voilà les deux constats, crise de la représentation, fait métropolitain. Et l'objectif que nous nous sommes fixés à travers ce pacte, celui de l'émergence d'une citoyenneté métropolitaine. Citoyenneté qui constitue un objectif en soi parce que le pouvoir métropolitain façonne aujourd'hui la vie quotidienne de centaines de milliers d'habitants et l'activité de nombreux acteurs économiques, sociaux, culturels et académiques.
Alors, mes chers collègues, je ne vais pas revenir en détail sur le texte du pacte. Il a été suffisamment débattu entre nous et communiqué. Permettez-moi simplement ici d'en extraire les quatre grandes orientations. Premier point, un renforcement des instances participatives avec des changements importants pour le Conseil de développement et pour la CCSPL que nous avons conduit en étroite concertation avec les membres de ces deux instances. Deuxième point, un renforcement des outils de la participation métropolitaine. C'est d'abord le développement d'une plateforme numérique construite avec et pour les communes de la métro. Ce seront par exemple des sites communaux participatifs pour informer, consulter les citoyens dans une plateforme territoriale prise en charge par la métro. C'est ensuite le développement d'un réseau métropolitain de la participation pour échanger et travailler entre les communes et mettre en place des garants sur les grands projets métropolitains pour garantir la transparence. C'est aussi la mise en place de pétitions citoyennes visant à saisir le Conseil sur une question ou un débat ou pour faire des propositions au Conseil. Et c'est enfin une votation citoyenne sur les compétences métropolitaines que le président pourra proposer sur les grands sujets. Je pense, par exemple, ce matin, avec le président, nous avons ouvert le comité opérationnel sur la Convention citoyenne sur le climat et avec l'idée d'un référendum après une année de travail, toute cette année 2022. Troisième point, il s'agit d'une démarche de mutualisation pour faire progresser l'ingénierie de la participation dans les communes, en proposant aux communes intéressées de conventionner pour construire un service métropolitain commun. Certaines communes, mes chers collègues, ont déjà fait savoir leur intérêt dans ce projet. Enfin, quatrième point, un texte nommé « Engagement pour un territoire participatif », il est ici, écrit au départ par 30 citoyennes et citoyens tirés au sort et représentatifs de notre territoire, texte complété et amendé par les élus représentant les groupes de notre conseil, avec un travail d'aller-retour avec les citoyens qui a duré 6 mois. Ce texte engage la métropole autour de 5 grands principes. Ils sont dans le document qui va vous être communiqué autour de la participation citoyenne. Et je dois vous dire aussi que nous avons tenu à ce que ce texte soit proposé aux communes pour qu'elles puissent le partager avec la métro. Il a été discuté, débattu, et il est aujourd'hui signé et reconnu par 27 communes de la métro, les 27 premiers signataires, représentant plus de 80% des habitants. Il a été aussi débattu et signé par le Conseil de développement. Mes chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais simplement, pour conclure, remercier vivement les services de la métro et des communes qui se sont impliqués dans ce long travail. Chaque agent engagé dans l'élaboration du pacte a participé à nos côtés, aux côtés des élus, à consolider ce nouveau champ d'action, promouvoir un service public de la participation qui vise à intégrer les points de vue des citoyens dans la décision publique.